J'ai envie de me mettre en couple, Booba en roue libre. Le rappeur fait des révélations célibataires. Booba se consacre à sa vie de famille et à son rôle de père. Papa de deux enfants, Omar et Luna, le chanteur n'a pas été en couple depuis un petit moment, mais un événement récent aurait peut-être donné envie au rappeur de vivre une histoire d'amour. Qui est la personne derrière tout ça? Ce mardi 31 janvier, Booba a tweeté sur son réseau social favori un message qui laissait entendre qu'il cherchait l'amour. Célibataire depuis longtemps, le papa n'a présenté aucune petite amie officielle à son public dernièrement. Sa situation serait-elle sur le point de changer? Omar et Luna sont-ils sur le point d'avoir une belle-mère? Très occupé par sa carrière de rappeur et son combat contre les influvoleurs qui profitent de leur communauté à travers les réseaux sociaux, Booba est depuis longtemps un cœur imprendre. Le roi du clash semble inaccessible dans sa villa à Miami. Il se consacre à ses deux enfants Omar et Luna. À Miami, je ne vois pas grand monde à part eux. Séparé de la mère de ses enfants, Patricia Vince, le businessman est très présent sur les réseaux sociaux et n'hésite pas à donner son avis sur les artistes et leurs chansons. Avec la sortie du dernier album d'Aya Nakamura Baby, le duc de Boulogne, qui n'a pas sa langue dans la poche, a tenu à la féliciter à sa manière. J'avoue avoir été sceptique au début de sa carrière, mais là, j'avoue, c'est la bosse. La Queen s'est empressée de lui répondre et de le remercier. Booba se lâche et fait des révélations. J'ai envie de me mettre en couple. Plutôt discret sur sa vie amoureuse, Booba s'est lâché sur Twitter. Une personne lui aurait donné envie de vivre une histoire d'amour, et cette femme n'est autre que la belle Aya Nakamura. Alors que son quatrième album rencontre un franc succès, le rappeur a pris la peine d'écouter chaque morceau du disque. Les paroles de la chanteuse amoureuse de l'amour n'ont pas laissé le rappeur indifférent. Je suis en train de saigner l'album, j'ai envie de me mettre en couple. Pas insensible au talent de l'interprète de la chanson à succès Jaja, il valide fort. Le roi du clash serait-il en train de tomber amoureux d'Aya? Affaire à suivre.